Amen. Ni neno la Mungu. C'est la parole de Dieu. Honorez-le. Mwaheshimu. C'est ça pas la Bible qui me sema. Maintenant là la Bible dit. Naseme, que kama mwanaume anaishi na bibi yake bien. Si la le mari vit bien avec sa femme. Je parle avec Pierre quand nous tumekua. C'est là chez Pierre où nous étions. Honorez-le. Mwaheshimu. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Kama mtakao riti pamoja nao neema ya uzima. Il en soit ainsi. Iwe hivi. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ili kusiwe jambo lolote litakalo zuiza kuzuia maombi yenu. Maana yake nini? À venir. Munipe explication. Donnez-moi les explications. Mais mwanaume yeyote mwenye anakuwa kiko na complique bibi yake anaombaka na Mungu anakamata maombi anaimtupia tena. Ça veut dire que tout homme qui complique sa femme quand il prie, Dieu prend ses prières et lui rejette en face. Amen, amen. Regardez là-bas. Mwangalie pale. Unazoea kulilisha bibi yako kwa tabia chafu. Tu t'habitues à faire pleurer ta femme avec un mauvais caractère. Unazoea kumcompliquer. Tu t'habitues à la compliquer. Au monorake manake kumpatia kale kavaler kama mwanamke mwake. Tu ne lui accordes pas sa valeur dans le foyer. Ça unaenda omba. Et quand tu vas prier, Mungu anakamataka ile prière yako. Tu prends ta prière. Anaichana chana sawa papier. Il la déchire comme un papier. Anaitupia tena kubudo. Et il jette encore sur la terre. Na unasukuma prière. Et tu fais remonter la prière. Mungu anaibloke. Dieu bloque cela. Faire obstacle. Tia kizuizi. À vos prières. Kwa maombi yako. Là vous vous réveillez très tôt à l'église. Oh, j'étais dans la première messe. J'étais dans la messe francophone. J'étais dans la messe du matinal. Et les cieux sont en train de dire. Ma fille est en train de pleurer là-bas. La fille de Sarah est en train de pleurer de l'autre côté. Vous pensez que Sarah avait bien fait de compliquer Agar? C'était une leçon. Dieu a voulu mettre cela dans la Bible. Et il y a un moment où tu peux manquer le respect pendant un temps à quelqu'un. Et amen. Tu troubles son cœur. C'est sûr et certain. Dio. Trouble son cœur. Exact. Mungu alitaka onyesha kama kuna vitu vyenye Bwana anapasha kuwa naambia bibi anamwambia sema hii ni responsibility yako udeside vile utadeside mimi havinione. Dieu a voulu que les hommes puissent avoir à un moment dire à leur femme que ça c'est ta responsabilité, ça te regarde, c'est à toi de juger comme tu veux. Mwanamke anapasha kuwa na kabuhuru fulani mnyumba. La femme doit avoir une certaine liberté dans la maison. Kitu kenye Bwana anamwambia. Une chose que le mari lui dit. Ça c'est ton pouvoir. Hii ni kwa uwezo wako. C'est bien d'acheter les choses pour la femme. C'est bon. Mais si tu t'habitues, tu vas détruire les foyers. Elles sont ici, il faut les demander. Elle aime si c'est 20 000 francs. Donne-lui ça. Si elle va acheter l'argent de 3 000 francs, acheter les frettes de 3 000 francs, dépenser. Et qu'elle voit, c'est elle qui est en train de dépenser. Qu'elle sente ce qu'elle est en train de gérer. C'est une responsabilité. Ce qui est sa responsabilité. Et si je mens, les femmes contredisaient moi ici. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Mais bon, on a un coup de 20 000 francs. Mais le mari tombe sur 20 000 francs. En agenda à Moussoko. Et il part lui-même au marché. Oui, tu peux le faire si c'est la nuit. Pour que tu ne rentres pas à la maison mais sans quelque chose. Ni weye tu. Mais chaque chose, c'est toi. Unakamata il est. Saki kikap. Tu prends le sachet là. Ni muchana. Comme un sac. C'est la journée. Roho, tout simplement parce que kuyala, tu as le frère à main. Qui mama saliche même 500 francs. Tu ne veux pas que maman puisse avoir même les reliquats de 500 francs. Donc, hautaki mama seme, il est une responsabilité. Tu ne veux même pas lui dire que ça c'est ta responsabilité. Wana musoko. Les maris arrivent dans le marché. Avec un sachet. Indagala ningata. Combien coûte ce fretin? 5 000 francs. Ah, c'est 5 000 francs. Pas 2 000 francs. Je vais te donner 2 000 francs. C'est mais l'état 4 000. Amen 4 000. Nanisa 2 000. Eh? Pourtant, c'est 2 000. Je suis eh? Une comme ça, on a pandisha kabei. Et on te fait remonter le prix. Bay. Tu ne connais pas le prix. Unauza, et tu achètes, tu amènes dans le sachet. Et ces poissons salés, c'est combien? Tu mets là. Et ces tomates, c'est combien? Bitungulu. Tu rentres, tu as oublié les oignons. Chonga. Tu as oublié l'arachide. Chumvi. Tu oublies le sel. Unasahu na mafuta. Et tu oublies l'huile. Unazimaliza zote. Et tu as fini tout l'argent.
Pourquoi? Tu es entré dans le ministère de l'autre. Alléluia. Laissez-lui la liberté. Vous les garçons qui êtes ici, le jour que vous vous marierez, ne faites pas cela. Amen, amen. Je suis en train de dire à vos papas aujourd'hui, vous êtes des garçons, vous vous marierez demain. Donnez-lui ces 20 000 francs. Quand tu arrives à la maison, oh, je t'ai acheté les choses. Ça, c'est combien, chérie? 4 000 francs. 4 000. Ça, on achète à 2. Ça c'est combien? Je paye 3 000. Ça on achète à 1 500. Tu commences maintenant, tu vois les mariages. Hein, tu commences à me manquer les choses. Est-ce que tu as amené des choses convenables? Est-ce que tu as amené des choses convenables? Et peut-être dit le sel, il n'y en a pas. On n'a pas le sucre pour les enfants. Il n'y a pas de tomates. Et il n'y a même pas l'argent pour la farine. Regardez maintenant. Quand tu fais du bien, on va te donner juste les gifles de l'âne. Utilise ces termes. Même si haïko musansi Hagar na Sara. Même si ce n'est pas dans le sens de Sarah et Hagar. C'est ta responsabilité, occupe-toi de ça. Shugulika na yeye inahusika na jukumu yako. Ibi harinione ni vyako mama. Sasa ne regarde pas c'est pour toi maman. Amen. Hein? Tunapatana? Est-ce que nous sommes ensemble? Sikataze kuhemelea mwanamke. Je ne refuse pas que vous ne pouvez pas acheter une chose pour la femme. Mais n'en faites pas une habitude. Oui oui. Sifanye desturi, haiko responsabilité. Ce n'est pas ta responsabilité. Celui qui va rencontrer le gouverneur. Anasimamia batu ba mukartie benye bako bana logota buchafu. Elle est là en train de surveiller les gens qui sont en train de ramasser la lourde. Ya nyumba kumi. Pourtant c'est le travail de monsieur le chef de 10 maisons. On va dire que le gouverneur a manqué quoi faire. Responsabilise aussi ta femme ce qu'elle peut faire. Oui, oui. Amen. Amen. Vous y êtes. Je vais bientôt finir. Nous avons beaucoup de mariages, nous prêcherons d'autres choses les jours à venir. Oui. Parce que les choses de mariage ne peuvent pas être finies. Abraham. C'est de ta responsabilité. Sorry. C'est de ta responsabilité. Et tu quoi du kumula? Je vais lire un message qui dit, qui s'appelle l'alliance confirmée d'Abraham. Agano lilo zihirika ya Abraham.